Bonjour les amis. Je sais qu'une partie d'entre vous, une très grande majorité d'entre vous, attendent avec impatience cette vidéo. À titre perso, je sais pas. Quoi qu'il arrive, j'ai reçu un colis. J'ai reçu un colis avec ce que je pense devrait être le plus grand liquide de la décennie. Que dis-je, du siècle. Du siècle. Le biohazard. Le biohazard. Je m'y lance. J'ai été désigné par mon grand ami, soi-disant grand ami. On verra suivant la qualité de ce jus. Parce qu'apparemment, c'est un très bon jus. Merci Flo. Merci Flo. Si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne. Je pense que beaucoup de gens connaissent. Merci Flo. Tu es un grand ami. Je le sais. Maintenant, je le sais. Ce biohazard. Alors, bien marron avec sa crotte de lapin au fond. Franchement. Bon, là, il a beaucoup de steep apparemment. Ceux qui l'ont eu au début, je ne sais pas. Moi, je l'ai pas eu au début, je l'ai maintenant. Franchement, je ne l'ai pas encore goûté. Forcément, je garde le plaisir pour aujourd'hui. À l'odeur, on a vraiment une grosse partie de café, tout le monde l'a dit, on a une grosse partie de café. De marc de café. De poudre de café déjà passée. Avec certainement autre chose, je ne sais pas quoi. Alors, je me suis préparé, ça c'est pour mon Pierrot, parce qu'il m'a dit qu'il y en avait encore. Oui, il y en a encore. Je me suis préparé un petit verre bien frais d'anthésite réglisse menthe. En caqueux. Et comme je suis confiant, j'ai pas de bassine, j'ai pas de seau. C'est du direct. Alors, on va y aller pour ce biohazard. Cyclone double claptonné, coton neuf. J'apprécie ce dripper. Et comme il y a de bonnes arrivées d'air. Allez. Comme il y a de bonnes arrivées d'air, je me dis que. T'as peut-être aidé, j'en sais rien. Le mets comme ça. Comment je pourrais faire? Pour que vous soyez sûr que je mets bien celui-là. De toute façon, je mets bien celui-là. Faire comme ça. Le biohazard. Le biohazard. Donc, comme j'ai mis du kendo, il va falloir forcément amorcer. Là, ça y est, ça commence à venir déjà. Écoutez, les amis, ça sent fort le café. Hein? Ça sent fort le café. On verra au résultat après. Hein? On verra comment je me porte. Personne à ce jour n'est mort. Ça pourrait commencer. Hein? Donc ça s'annonce être un grand cru, ce jus. Et là, j'ai respiré de la vapeur, j'ai certainement éternué, comme d'habitude. Alors, je bourre pas le dripper par plaisir. Hein. Je bourre le dripper pour pas choper de. En plus de ce goût apparemment dantesque. On va pas choper un dryite en plus. Donc le jeu c'est 5 bars à 50 watts. Je suis en double claptonné. Là je suis à 60. Écoutez, je vais me lancer à 60 et puis on verra par la suite. De toute façon, comme on dit, qui a peur est un peu heureux et la peur n'évite pas le danger. Mon verre d'anthésite est prêt. Mon dripper est prêt. What else? Watts. Je suis inquiet.
C'est pas franchement immonde. C'est pas franchement immonde. Si, c'est pas bon. C'est pas horrible, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Sais pas ce qu'il y a. Il y a du café, c'est sûr. Je sais pas, on dirait du. Je sais pas, peut-être pas de réglisse, j'en sais rien. Ça pique la gorge, je connais pas la compo de ce liquide, je sais pas, peut-être un 60-70 VG, j'en sais rien. Je sais pas. Ça fait deux? C'est pas horrible, c'est pas bon, mais c'est pas horrible. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Si. Si, c'est pas bon. C'est juste que c'est pas bon. C'est pas la mort, mais c'est dégueulasse. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Bon, mon Flo, j'en ai fait 4 à 60. Toi, t'as fait 151, 152. Tu m'as dit, fais plus. Franchement, autant je vape à régulièrement entre 40 et 80, 90 max, que je règle à 158. 158. Va être dégueulasse. Oh la vache, je sais pas comment les gens vont pas cette puissance, je sais pas comment c'est possible. J'en sais rien. Oh c'est chaud. Oh c'est chaud. Je sais pas ce qu'il y a avec ce putain de café là. On sait pas ce que c'est que ce putain de café, j'en sais rien. Ah. 70, ce sera mieux. Un peu de. Alors apparemment le coca n'a pas de goût. On t'hésite un petit peu, mais bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'arrête. C'est dégueulasse. Toi, direction Clapton poubelle, direction nettoyage. Il en reste. Donc maintenant, je vais désigner la personne à qui je vais l'envoyer. C'est vrai que c'est un moment plaisant. Après ce goût dégueulasse, c'est un moment assez plaisant quand même de devoir désigner quelqu'un à qui je vais l'envoyer. Alors depuis que je devais le recevoir, j'avais quelques noms en tête. Oh la vache, ça reste, hein. En fait, je parle, mais ça reste. Depuis que ce jus devait arriver, j'avais déjà 3-4 noms en tête. Et puis finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai changé mon fusil d'épaule pour faire ce qu'on appelle un double effet qui se coule. Un double effet qui se coule. Flo est mon ami. Merci Flo, sympa. Flo est mon ami. Et quelqu'un s'est amusé à lui lancer un défi sur ce Biohazard, à savoir de le vaper à 150 watts pour se faire un tatouage après. Donc non seulement mon Flo a réussi son défi, non seulement le tatou, tu l'as fait, tu l'as pas fait, je sais pas, mais je pense qu'on va bientôt avoir des nouvelles. Mais en plus, Juicy Snooze, je vais t'envoyer ce fabuleux délice. Oui, tu vas me MP sur FB et je vais t'envoyer ce fabuleux délice.
8-6 nous. Comme ça, tu auras le double effet qui se coule. À savoir le défi à flot, le tatouage. Et maintenant, tu vas savoir ce que vaut véritablement ce biohazard. Qui est un grand cru. Qui est un grand cru. Ça, bon, je commence à avoir un goût de menthe réglisse. Ça devient mieux, là. Mon ami Flo, merci. Très sympa. Merci. Juicy, tu me contactes. Je t'enverrai ça la semaine prochaine. Je pense avoir réussi, écoutez. Hein, quelques puffs à 60, à 70, 2 à 158. Mais c'est chaud. Alors même si c'est vrai que ces drippers sont faits pour, je sais pas qui va passer puissance, c'est trop. Enfin, je sais pas. Bref. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai d'autres jus à faire, d'autres concentrés d'ail à faire. J'en ai plein à faire. Qui ne sont pas tout à fait sur la même gamme de goût. On découvrira ça ensemble. Est-ce que ce sera meilleur que ça? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous une très bonne fête.